centuries, I have felt their coming. Shrouded in vanity, they believed themselves obscured. Free to wage their covert war upon the pure and the righteous. Even now, they gird their souls with contempt, stalking their prey with a morbid pride. But they do not see the reckoning I have prepared for them. For their crimes, they will pay with most holy sacrifice. For the grandfather's truths cannot be denied. Eh bien bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode ou nouveau let's play, je sais pas jusqu'où on va aller. Ce jeu m'a fait le live, j'ai cliqué dessus. Et nous verrons bien ce que ça donne. Est-ce que j'ai envie de paramétrer le jeu, les graphismes, tout ça, redémarrer éventuellement? Pas envie. Donc on va lancer brut de bête. Juste pour savoir en termes de graphisme, ils sont allés où? Oh, ils sont pas trop emmerdés, je crois. Ah. Non, il y avait que élevé. Très bien. Ok, bon, on va s'aller. Ouais, retour. Nouvelle campagne, let's go. Let's go. Et c'est quoi? Plus 2 chevaliers en début de partie, plus 6 PV au chevalier, moins 33% de durée des blessures, moins 25% de PV sur les ennemis, valeur d'étourdissement des ennemis réduite, éruption de l'éclosion moins agressive. Attention, les paramètres de difficulté ne peuvent pas être modifiés en cours de campagne. Oh. Mais il y a 4 niveaux de difficulté, ça c'est chelou. Ouais, bah ça c'est le normal, bah nous on va jouer en normal. Voilà. Le mode grand maître, je suppose, c'est... Est-ce que tu veux te suicider? Est-ce que tu veux te suicider dans le jeu? Ah, soyez pas photosensible, le jeu qui l'a dit. Ça a pas planté, hein. It is the 41st millennium. For more than 100 centuries, the Emperor has sat immobile on the golden throne of Earth. Mankind wages a never-ending battle for survival against the demonic power of the Chaos Gods. But by one force is humanity shielded from true darkness. The Grey Knights. This secret chapter of Space Marines are the Imperium's surest defense against that which the Emperor foresaw would be its greatest threat, humanity's blade against the demon. For in the grim darkness of the far future, there is only war. Chevalier gris, quoi. sinon, le scénario démarre à un moment donné. Alors, déjà, les phases de chargement sont un peu longues pour le jeu, je trouve. Hein. C'est très très long. Mode sanctuaire, Gaïris. Unidentified Astartes vessel. This is Captain Ferrani Everick of the warship Holiness of Ra. Geharis is lost. Repeat, Geharis is lost. All Imperial vessels are to withdraw at once. Astartes vessel, do you read me? Geharis is doomed. Please acknowledge this warning. You have done all you can, Captain. Go, in the Emperor's light. You cannot sail into this storm. We do what we must.
Farewell, Captain. Tech Priest, report. Hexaramic wards are under maximal pressure. Commander, we cannot maintain this orbit for long. Dispatch the assault team at once. I will join them and put an end to this myself. Your will be done. The assault team is engaged, Commander. They clear a path for your arrival. Here I stand. One unbreakable shield against the darkness. Tonight the Cadium falls, Hector. Our quest is finally near its end. Ok, l'armure se régénère en début de tour. Bon, si je comprends bien, on déboule sur une planète, au vu de ce que je vois, on est sur une planète, donc éclair violet, c'est la magie qui s'exprime comme ça, la magie du warp. Et vu qu'elle est rouge, embrasée et compagnie, on peut deviner qu'elle est à moitié là, à moitié dans le warp. Le truc est à moitié présent, c'est possible. Après... Est-ce que c'est vrai? Nul ne le sait. Par contre, vu la durée de chargement, il pourrait faire tourner un peu les recommandations de jeux vidéo. Et comment on joue au jeu, là. Je trouve même plus le nom. Mais c'est un nom, hein, je vous jure. Palamedes, report. We have cleared a path through this chaff. Our target lies ahead. Time is against us, brothers. We breach the cathedral. Alors, nous sommes en WASD. Ça, c'est emmerdant. Alors, est-ce qu'on peut faire un échappe? Est-ce qu'on peut faire un paramètre? Est-ce qu'on peut aller sur un clavier? On veut un Z. Nous, on veut un Q. Et on veut un D. Du coup, pivoter la caméra vers la gauche, ça devient A. Et je dois avoir un autre raccourci qui est vide. Qui est du coup un W. Voilà. Ben, retour. Et sinon, juste... retour sinon. Oh, retour 15 fois. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux gars avec nous, TTC. Que c'est classe, hein. Oh, j'ai l'impression de jouer à Doom. Ha! Deluded zealots. Your Imperium shall burn! Cowards and weaklings. Advancing into cover. Couverture totale réduit les dégâts des attaques de tir direct de 100%. Condition que vous vous cachiez pas derrière une feuille de carton. Tirez sur un monsieur. Lui. D'accord. Ah, il faut que je choisisse la destination. Avec le petit réticulé. T'es pris des shots de bolter, hein, tout va bien. Le bolter est vide, rechargement. Confirme. Bon, si vous avez joué à un... Ah non, j'ai trois types, ok, avec moi. Ils sont sur la gauche. Comment, si vous avez joué à XCOM, vous n'êtes pas perdu, hein, du tout. Ça devrait aller. Ouais, vas-y. Ah ouais, on joue vraiment au modèle XCOM. Hein. Donc, tirer sur un gadget, définir la cible. Moi, je choisirais bien ce mec. Ah. Je peux tirer que sur lui, c'est ça? J'ai pas le choix. Okay. Justice.
Uhta, dispense of that heretic with your blade. Ok, donc let's go se positionner à côté du monsieur, c'est ça? Ah non, c'est genre tu cliques dessus et il va le tabasser. Mais est-ce que... Ok, ouais, tu peux pas du coup choisir sa place. Et la protection est Aegis. Gods be with me! Die, Imperial! Just wait. Just wait. Wretch. Overwatch. Time stands against us. Ils sont tous les deux en mode surveillance. I will breach the cathedral. Ah ouais, bah vas-y, go. Go, mon pote. Attends. Déplacez votre caméra vers la cathédrale pour voir l'intérieur. Ah oui, non, d'accord, ok, oui. Ouais, super. Et donc, si je dézoome. Ah, si je dézoome, on voit quand même dedans. Ok. Demons, I will not be delayed by these weaklings. Ouais, des mecs de chez Kane à skip. Interagir avec le décor, ça c'est rigolo. Iolanthus, your brother is pinned. Advance and deliver retribution. Yes. By your command. Deploy your frag grenade, brother. We are hammer. Deliver the Emperor's judgment, Uhta. Advance and train your bolter on that doorway. Unleash your blessed ammunition the moment they are exposed. Palamedes, prepare for the demon's charge. At once, Commander. Le petit tir croisé qui va bien. Ok. Dans le dos, ouais, ok, si tu veux. Possède des armes décoratives, il faut prendre automatiquement si vous vous déplacez hors de portée. Il y aura la forme de pierre, il va tuer votre cible. Ouais, ok, bon bah, let's go. Ok, au conseil tactique, c'est prends-toi une attaque d'opportunité, on est d'accord? Ouais, super, donc je tourne la caméra, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. These soulless curses shall hinder us no longer. End that demon, Palamedes. Engage him now. Bah ouais, hein, go tabasser, hein. Curses! I will end. We cannot lose another battle, brother Iolanthus. Both demons must be destroyed. Ah, je peux choisir entre viser son arme de corps à corps. Attends. Ciblage précis. Avec des attaques de corps à corps, vous permettez d'endommager l'un des points faibles de l'ennemi pour gagner un avantage au combat. C'est intéressant ça. Donc je pourrais choisir de désactiver son arme de corps à corps. Donc en gros, soit briser son arme, soit l'envoyer valdinguer. L'infliger enragé. Ouais, enfin, de toute façon, bon, je peux choisir quelque chose. Return to the jaws of your master! D'accord, ah ok, une fois que tu l'as étourdi, tu peux passer en mode exécution.
Et l'ennemi détruit tous les chevaliers gagne 5 points d'action. Ok, du coup j'ai regagné un point. Frappe en force. Excellent. I will move on ahead. There is not much time, brothers, but we must prepare for the coming battle. I can sense enemy reinforcements. Palamedes, resuscitate Uther, so you may both defend against them. Take up defensive positions, Palamedes. The enemy reinforcements will be here soon. Your resolve is commendable, Uther. Join Palamedes in defense of the cathedral. Iolanthus, with me. There's a breach in the wall ahead. Non, c'est pas ça. Tu m'as pas demandé de venir, non? Incompris. Ah non. On tourne au cœur. I will breach the inner sanctum. Your ritual is ended. Relish this breath, for it is your last. Blood for the blood god! Skulls for the skull thrower! To my side, Iolanthus. Sauter par-dessus un fossé, affublé d'une armure énergétique, peuvent sauter sur de grandes distances, sauter par-dessus les fissures simplement en vous déplaçant de l'autre côté. Ok, d'accord. Ouais, donc on ignore beaucoup d'éléments de terrain, évidemment. Voilà. I will show you true wrath, demon. Poulet, t'as intérêt d'être très chaud, hein, parce que contre un buveur de sang, faut être très chaud quand même. Ah ouais, t'es très chaud, hein. C'est vrai que les chevaliers gris. Les chevaliers gris contre les démons, c'est quand même. Ouais, on rigole bien quoi. C'était vraiment l'armée, tu te faisais chier contre tous les adversaires, mais dès que tu tombais sur un chaos, hein, ils pleuraient. Hein. Ils passaient un sale moment. Et après, je sais pas ce qu'ils ont foutu, ils sont même devenus nus contre du Marines de base. En fait, ils étaient forts que contre les mecs qui avaient le moqueur démon. Others have bought us precious time, Iolanthus. Flank that demon and fire at will. Quoi? Se déplacer, marquer une autre étape avant de. Ok, oui. Allez, pour éviter les flammes. Okay. For the Emperor! You profane this sacred place with your master's fire. This ends now, demon. Oh, c'est un suicide si j'y vais comme ça. Ouais, le problème c'est que si j'y vais pas comme ça, bah je lui ferai rien.
Parce que je peux même pas lui tirer dessus. Pourquoi je peux pas lui tirer dessus? De toute façon, on va pas se mentir, ton tuto il est là pour que je meure. Okay, let's go. Bon, on aura pété un buveur de sang. Hein. Pathetic mortal, weakling spawn of a false god. I am the light that banishes darkness. Your prayers mean nothing. I am the hammer. Beaten me for now, little knight, but the war I fight is eternal! Analysis. Warp signatures fading. Then the blood ritual has ended. Where is that report? Report! Where is the commander? He died a champion's death. Blade on blade against the power's blasphemy. J'avais vu juste depuis le début. C'était le Warp qui était en train d'arriver tranquillement, s'installer dans cette dimension, ce monde incroyable. Votre commandant est tombé, mais tout n'est pas perdu. Les Grey Knights, donc les Chevaliers Gris, sont de puissants super soldats génétiquement modifiés. Ils sont capables de résister à des blessures qui viendraient à bout d'humains normaux, mais ils ne sont pas invincibles. Vos chevaliers disposent d'une ressource spéciale appelée Résilience, qui indique le nombre de blessures critiques qu'ils peuvent endurer au cours de la campagne avant que vous deviez rapatrier leurs restes à votre foyer sur Titan. En montant en rang, vos chevaliers obtiendront davantage de résilience. Long campaign over at last. A victory at the cost of the commander's life. Alive, he was ever a faithful servant to the Emperor. A true hero. In death, at least his duty has finally ended. Assertion. This ship remains in crisis. The Baleful Edict is seriously damaged. There are grievous matters to attend. Ah, yes. That is why I have invited our guest. You have appointed him to take the commander's place? No one else suitable survived the campaign. Falsehood. You also live. My apologies, Acting Commander. The priests of Mars do not understand our knightly oaths. Our men and stores are severely diminished. Your task is to lead us for the voyage home.
It is a simple duty, and once we return to Titan, I will put the future of your command to the chapter's grandmasters. In the meantime, I will provide what advice I can. I will also support you with counsel and service, but remember, the Baleful Edict is my chief concern. Be careful with this ship. We sail for Titan on your word, Commander. Strike Force Xiphos at your disposal. Ok, donc on est sur le sentencieux suite à la mort du commandant Agravin. Vous avez été temporairement promu au commandement du sentencieux pour son voyage de retour vers Titan. Cette mission devrait être simple, mais il vous faudra gérer nos ressources limitées et répondre à toutes les menaces qui se présenteront sur le chemin. La force de frappe Xiphos est à vos ordres. Xiphos. Commander, could you please join me in the strategium? Le stratège. One of our battle brothers has proved himself worthy. Let us honor his deeds. Iolanthus. Brother Ulrich is a talented justicar. Please decide where he should focus. With every promotion, your knights gain 2 ability points, which you can use to expand their capabilities. Alors, chaque promotion au chevalier gagne 2 points de compétences que vous pouvez utiliser pour améliorer leurs aptitudes. Choisissez 2 compétences à apprendre à ce chevalier. Peut d'abord désormais équiper l'armure Terminator. Alors c'est un vrai plus, mais j'aimerais bien avoir des stats. L'armure Terminator, c'est bien. Volonté passive, ce chevalier gagne plus 2 de volonté max de façon permanente. Est-ce que je peux avoir les stats de ce chevalier? Est-ce qu'on peut avoir des infos sur ce chevalier? Est-ce qu'on peut savoir ce qu'on fait? Ça vous fait chier. Hein? Pardon? Donc, dégâts de Psybolt. Psybolt gagne plus 1 de dégâts. Ok. Et celui-là, c'est santé. Ce chevalier gagne plus 4 PV de façon permanente. Ouais. Vu à la vitesse à laquelle on fond, gagner plus de points de vie, c'est pas déconnant, mais. Moi, je vais opter pour une armure Terminator. Je vais aller chercher l'autre derrière, c'est un game plus 1 d'armure. Et on va ouvrir le... Ça ouvre quoi? Attaque physique au corps à corps, frapper une cible augmente adjacente. Frapper une cible adjacente pour infliger 4 points de dégâts. Plus 100% de chance de crit. D'accord, c'est ce que je passe en mode corps à corps, genre vénère. Je peux récupérer mon point? Ah merci de plaît. Allez. Je vais t'en mettre un là. Je comprends pas. Je l'ai déjà. Ah je l'ai déjà. Ok. Cette compétence gagne plus 1 point de dégâts. 1 point de dégâts crit. À activer pour ajouter. Infliger saignement 100% en 2 tours à cette compétence. La cible touchée subit 2 dégâts par tour. Volonté plus 1. Alors que ça donne pas de volonté en plus. Vas-y, on va faire pisser le sang à quelqu'un. Ça s'arrête à un moment donné ou genre vas-y moi je prends tout, hein, je prends tout. Confirming this promotion will apply your ability choices to all. Et est-ce qu'on peut donc voir les stats du boy? Non, est-ce qu'on peut voir les stats du boy? Ouais, ton arme pourrie, machin, tout ce qu'on veut, tes compétences, bouclier incassable, passif, une fois par combat, quand elle souffre de blessures critiques, et récupérer et retourner au combat après 3 tours avec 50% CPV max. Ah, ah il est nerveux un peu le Garen. Parade, ok, auto 50% de chance hein, lorsque cette unité subit une attaque au corps à corps. Ah oui, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Mais moi, lui donner de la volonté, je veux bien. Mais est-ce qu'on peut voir ses stats? Genre. Concentration. Résilience. Donc on peut le tuer 3 fois. Résistance, 0% de chance que l'unité subisse une malédiction. D'accord. Tête de déplacement 5. Armure de la puissance. Tu vas devenir un Terminator, mec. C'est sûr. Ce combat, t'es forcément Terminator.
La volonté. Ok, chevalier uniquement représente le pouvoir psychique d'un chevalier et sert à utiliser ses compétences actives. Du fait de la nature instable du warp, dépenser de la volonté fait grimper la jauge warp. D'accord. Donc c'est pour l'utilisation des pouvoirs. D'accord. Excellent. When you are finished, please join me. Our ship is in dire need of repair. We had best set a course for Titan and debrief the Grand Masters. Ok. D'accord. Mais donc nous on est là et Titan c'est pareil. Issue the travel order to begin our return to Titan. Ah, ça aurait mérité qu'il nous fasse un petit FTL en carte. Genre un peu, on choisit. Choisit plus ou moins par où on se préférerait passer. Ça aurait été cool. Ok. Ok. Mais encore. C'était dans la cinématique. D'accord. Baleful edict. In the name of the God Emperor. Dominus, who is this interloper? Code scrapings indicate an inquisitorial transmission. Baleful edict. Prepare for my arrival. Duty calls, Commander. We should open a voxlink. Inquisitorial vessel. Permission granted to come aboard. Par contre, les mecs, il y a vraiment beaucoup trop de temps de chargement dans le jeu. Emperor, I found you. I must commandeer this vessel at once. Impossible! We are bound for Titan. The edict cries out for repair. The tech priest speaks the truth, Inquisitor. Our last crusade bled us dry. I'm not blind, Knight. But heresy does not operate at our convenience. My destination is Koromar Prime, within this very system. Not such a taxing journey. I'd expect. And what is it that you hope to find there? This. Beneath rotting skies, the air thickens with a world's final breath. Seeds planted in flesh and bone, watered with blood and tears. A warrior alone in the garden of a grinning god. These are scraps of astropathic whimsy. There's more. It grows. It spreads. A great dispersal upon the etheric wind. The bloom proliferating. First, then Koromar, then world after world. Its roots spread from an ancient veil. Inquisitor, hear me! Hear me! Hear me! Who tends the garden? The astropath sacrificed himself to send that message. Now you understand why we must investigate. Commander, we cannot risk further damage to this vessel. It is the chapter ship, Dominus. The Inquisitor has every right to request our support. It is not a request. Commander,
With your leave, we will set our course for this Koromar Prime. Yes. Good. That will do for now. J'aime bien comment on est censé être autour de la table. Et du coup, on n'y est jamais. On a un Marines qui n'est... On a un commandant qui n'existe pas. Genre, il pouvait pas choisir un commandant homme, femme, peu importe, on s'en fout, tu vois. De toute façon, c'est un Astartes, quoi. Chaos détecté. Le monde où la maladie se répand ont un certain niveau de corruption de Nurgle. Mais il est plus élevé que prévu. Nous devrions chercher à en savoir plus. D'accord. Si nous ne pas investiguer cette threat, les conséquences seront dire. L'imitation et des phénomènes, surtout si une pièce s'est impliquée. Vous devez atterrir immédiatement, commandant. Ouais. Calme-toi. Calme-toi bien. Donc, infestation légère, cette planète montre des signaux de contamination par une peste non identifiée, mais son emprise sur la population est encore faible. Nous devons en profiter pour l'éradiquer du système. Niveau de mutation, aucun. Risque de pic d'activité du warp, plus 15% par tour. D'accord. Poxus, cette souche d'éclosion apporte peste et maladie. Nos chevaliers souffriront de maux infâmes causés par les pics d'activité du warp, tandis que nos ennemis bénéficieront de mutations les rendant moins vulnérables à nos pouvoirs. Mutation marquée, bonus de résistance. Pic d'activité marqué, inflige des malédictions. Merde, ça c'est embêtant. Et sbire du chaos inconnu, nos prognosticars. Ça n'a pas été traduit, ça. Je crois pas que ça a été traduit. On prédit que nous allons affronter des sbires du chaos à la surface de la planète. En réglant un pronosticaire sur ce système, il parviendra à nous en dire plus. Les sbires du chaos, ok, inconnu. Ok, retour. Commander, it is our duty to support this inquisitor, but we should complete this. Faut aller au téléportarium. J'ai bien fait de pas vouloir mettre une armure Terminator sur mon bro. Parce que j'avais pas le temps. Report. Signals from quarantine beacons detected in the upper atmosphere, but the surface itself is silent. Plague, Commander. Send your squad to the surface. Knights of Titan, you are the instrument of the Emperor's will. Make planet fall and discover if the Inquisitor's fears are founded. You should evaluate your knight's armaments and ensure they are best suited to the battle at hand. Vous devez évaluer votre chevalier pour veiller à ce qu'il soit parfaitement préparé pour le combat. Ouais, mais en gros, tu me donnes quoi comme choix? T'es marrant, toi. Ok. The Nemesis Force Halberd can inflict a pre-choose which halberd you would like to equip. Your options will be limited until we return to Titan. Alors, et ça c'est quoi? Ampleur de Darik. Donc ça, ça fait 4, c'est du saignement, c'est ça? Non, dégâts, c'est ok, ça inflige 4 PV. Et lorsqu'un ennemi se déplace à proximité de cette unité, il a 25% de chance de subir une attaque automatique. Une utilisation par tour. Elle a donc frappe en force, c'est vrai que cette attaque au corps à corps. Auto première frappe, ok bah c'est deux trucs qui sont des tricheries, ok. Ok ok, et celle-ci elle fait exactement la même chose, mais cette arme a 5% de chance de crit. Équipe. J'espère qu'on est sur mon bro que j'ai maxé. Hein. Ah ouais d'accord, de toute façon il n'y avait rien d'autre à dire, ok c'est bon, t'as pas le choix. Ah ok, on a des fauchons, on a des marteaux, on a des sceptres de protection. Oh, là, d'accord, on a des trucs incroyables quoi. Mais, alors, uniquement dans les clauses, hein, visiblement. Type d'armure. Ah si, bah il y a déjà des Terminators, ok. Et c'est Ulrich qui l'a. Et c'est lequel que j'ai augmenté de niveau? On ne sera... Ah si, bah c'est Ulrich. Ok. Ok, ok. Donc on a... T'as quoi toi? On peut pas voir ce qu'ils ont les gars, genre ça dérange tout le monde. Bon allez, salut Ascas, on va aller se battre, j'ai compris. On gérera ça plus tard. Genre on est trop classe, on se téléporte.
Avec le risque qu'il y a de mourir dans le warp, on se TP. Eh ben. Les malédictions sont des effets négatifs qui durent généralement pendant un nombre limité de tours. Ah d'accord, ça ne durera qu'un certain temps. Ok. Ah c'est marrant l'espèce de mec contaminé avec des pseudo-tentacules devant l'arme là, juste à droite là, au premier plan. On dirait une figurine là. À lui là. On dirait une figurine. On dirait qu'ils ont pris quasiment un champ de bataille et qu'ils l'ont lissé à la peinture quoi. Ils l'ont redessiné quoi, si on veut. Commander, have your men look for signs of this plague. Be vigilant, brothers. Faites des trucs. Let's go. Yes. Steady and surely we hunt them. Il y a un truc là-bas, mais je sais pas ce que c'est. Très bien. At once. Il va y avoir quoi ici? Je crois que je vais me mettre derrière une caisse de munitions. With haste. Ok, bon bah Space Marine en avant. It will be done. I am with you. Je peux me mettre sur la boîte à munitions. Let's go. Genre ça tu pouvais pas le sauter. Espèce de gros là. Ok, 15% de croissance de l'éclosion. D'accord, c'est des éclosions, faut aller les dégommer, c'est le projet. Alors, est-ce que je peux prendre mon... Est-ce qu'il y a une interaction avec ça? Il n'y a pas d'interaction avec ça, donc c'est juste ça se fait péter. D'accord. Yes, sir. Powers protect us. Enemy sighted. J'ai été annulé dans mon move là. Vraiment. Vas-y, je vais me mettre là. Ça va empêcher certains de me tirer dessus à la limite. Ah oui, mais non, mais t'es un close combat. Non, je suis un abruti. Si je tire là-dessus. Oh, si je tire là-dessus, c'est rigolo. Feu. Tout s'est déverrouillé, attention à la marche. J'ai envoyé voyager un type, visiblement. Ouais, bon, on va retirer sur un gars qui du coup n'a plus trop de couvert là. T'as visiblement on tire avec des bolters à mouche. Ok, c'est un doc que j'ai dans mon crew. C'est celui qui a pas d'arme de close, c'est ça? Ou qui a pas d'arme de tir? Si t'as une arme de tir, évidemment. On my way. Et toi, t'as méga life si je te fais courir. Et là, t'as plus de points, quoi. Ok. Et tu fais quoi? Tu peux te TP? Pardon. Tu peux te TP comme ça Zinedine, parce que ça te fait plaisir genre. Grenade j'en ai combien? Grande question. J'ai une munition. Donc pas le droit de faire le ouf avec. Confirmé. Pour rigoler, toi tu peux le tirer là du coup. Ah non, là, tu peux tirer. Par contre, tu peux tirer sur ce type là-bas. Ou ce type là. Ça fait des morceaux qui tâchent. Ah oui, il peut sauter là. Ah ouais. Ouais, vas-y, fais le caribou. Fais du parcours. Alors, en armure, il arrive à sauter ça en longueur, mais par contre, pour monter sur une caisse. Il escalade. Less than nothing. Does he understand? Voilà, faut se manier le fion. Onward, brothers. Voilà, les sauts de caribou tactiques, quoi. Ready for battle. Ah, pour l'armée, j'ai trouvé des gens. T'avances. Lui là, on va se prendre ça.
quoi, parce que c'est chic. Je m'en fous, je tape. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Mais c'était sûrement extrêmement stylé. C'est pas trop ce que j'ai fait là. Je vois pas jusqu'où va mon rayon de TP. C'est relou, c'est de la merde. Vas-y, bouge là-dessus. Incroyable. Oh là là, le trop du parcours. Assaut full force, hein. On n'a pas le temps. Vas-y, descends, on s'en fout. Que je le laisse là, en mode je m'en bats les couilles de ta vie mec. Moi je vais aller le nettoyer quand même parce que sinon ça va se voir. Puis bon c'est mon médic, je peux le laisser traîner un peu en arrière, du coup c'est rigolo. Et donc toi t'es obligé de lui tirer dessus, c'est ça. Je sais pas si tu as tiré dessus, ça fait des trucs autres, mais voilà. Il se déplace vite mon médic hein. Il est mobile, il est mobile. Faut que je l'utilise en éclaireur, il est trop mobile. On voit d'autres marqueurs là de... Il y a celui-là et il y a une flèche qui m'indique... On ne sait où. Mais il y a une flèche qui m'indique un truc. Et là donc pour monter... On va pouvoir monter par là, on est des marines quand même. On est des Ashtartes je crois. Wait, that creature. The dead walk in this way before. As have I. Poxwalkers are evidence of warp corruption. Une petite grue les poulets. Attends, si le jeu est bien fait, moi si je la mets là ma grenade. Je les fais tous valdinguer. Let's go. Confirme. Firing on target. Good. I will need to examine this corpse and... Bah voilà. Move de génie. Allez, si m'amène. Hop, 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 hop. Petite cartouche aïe. Ouais, ouais, je sais pas moi, tue-moi ce machin là. As you command. So to the unworthy. Ouais, tac. On va définir la seule cible qui reste. Confirme. Succès déverrouillé, un mauvais présage. Parce que c'est. As soon as containment is properly confirmed and sanctified. Be swift about it. If this plague has already spread beyond this planet, then we will have far more ground to cover. Alors, je suis très déçu. Je suis très déçu parce que je sais pas si vous avez vu, alors si vous avez pas vu, vous pourrez faire un petit retour en arrière sur la vidéo vite fait. On voit l'élément de décor, on voit qu'il y a une barrière qui est plantée, qui est à moitié dans le vide. En fait, le système sur lequel il est fait est trop vieux, les graphismes souffrent. C'est du jeu indé quoi. Pic d'activité quand un jeu joueur peut atteindre 100% et nous ne serons jamais. Ce qui arrive quand on atteint 100%. On a nettoyé tout le monde, hein. Tout ce qu'il y avait à faire. Y'a personne à promouvoir ? Non. J'ai buté tout le monde sans aucune forme de respect. Mission objectives achieved, Commander. Our guest wishes to speak with you in the Libris. I must commend you on this impressive archive of demonic lore, Commander. It rivals some I've seen in inquisitorial fortresses. I will require it as a base of operations for my studies. I respect your authority in matters of combat, but I must remain until I can ascertain some solution to this plague. I am, of course, open to recommendations on which lines of study you feel would best serve the mission.
I must insist, however, on beginning my research with a necropsy of the Poxwalker carcass your brothers recovered. I am certain they hold a key to understanding this corruption. Pourquoi on l'a pas encore exécuté cette sorcière à les yeux violets? Et au moins on pourrait rentrer tranquillement sur Titan, ce serait la fin du jeu. I will conduct a necropsy of the recovered corpse to see what I can learn. Une necropsy, d'accord. Necropsy de scrofuleux. Ça s'appelle un scrofuleux, le mec de base qu'on a dégommé avec plein de verres. Les scrofuleux que nous avons découverts sur Koramar suggèrent la présence d'une force malveillante derrière cette peste. Je suis certaine de trouver d'autres indices sur de sa source dans la dépouille des créatures infectées. Très bien. I shall begin at once. Inform your crew that I am not to be disturbed. Commander, I toil with a critical lack of resources. I request you attend me in the manufacturer. Ah, il est temps d'aller voir notre tech mec. My servitors have restored the manufactorum to operational use, but the edict remains severely damaged. Without access to a proper dockyard, restoration will be slow and limited by the resources we can requisition from Titan or nearby inquisitorial enclaves. As of this moment, reviving the edict's core power output takes absolute primacy. Ok, réacteur à plasma donc endommagé, construction verrouillée, tata, chambre d'augmentation endommagée, protection de serviteurs hors ligne. Ah, là, et on va pouvoir donc produire des sbires et ergourium endommagé, pronosticar hors ligne, donc les mecs qui vont nous permettre d'avoir des infos supplémentaires sur ce qu'on va cogner sur planète. Réquisition sert à acquérir de l'équipement de maître et de nouveaux chevaliers de titan. Acquise en tant que récompense de mission et en accomplissant des actes glorieux. D'accord. Pronoxica, hein, réglé dans un système et en représentant aussi tous les systèmes adjacents. Et en améliorant, vous pouvez améliorer via la recherche aussi. D'accord, intéressant. Grimoire utilisé à des fins de recherche et principalement acquis en tant que récompense de mission clé. Chaque grimoire procure un bonus de base de plus 20% à la vitesse de recherche dont la valeur peut être augmentée en améliorant la Libris Maleus dans le Manufactorum. D'accord, donc là c'est vraiment le lieu des augmentations quoi. Et le nombre de serviteurs requis pour afin de compléter des projets de construction dans le Manufactorum s'acquiert principalement en tant que récompense de mission clé et via la production de la chambre d'augmentation. Certes. Et donc, statut du vaisseau. I must improve the edict's power output in order to conduct more extensive repairs. Je dois renflouer l'alimentation du sentencieux pour pouvoir réaliser des réparations à plus vaste échelle. Ok. Et ça va me bouffer 8 serviteurs et ça me prendra 6 jours. Ou ça me met 8 serviteurs sur le coup et je pourrais les récup. J'ai pas l'info. Reste 17. Et je devine que les autres vont se faire bouffer là-dedans. Ça va être pas mal. I must now interface with the logic engines. I trust you have a great deal. Commander, I have adjusted the star map to display our current sector. However, our intelligence here is sparse. I suggest we bide our time until the Dominus restores power to our scanners. Ok. Donc là, on peut juste faire avancer le temps pour valider nos tech. Techno, nos recherches là de 2 jours, boum, ça va s'arrêter dès que voilà.
Dominus has restored the star map to its full function. We are receiving a barrage of scanning data and astropathic scrapings from across the sector. This plague appears to have already spread its tendrils far and wide. We are faced with reports of two infected systems. We should monitor this infestation carefully and judge where best to direct our forces while the Inquisitor pursues her answers. Failure will cost many souls. Projet du vaisseau terminé, réparation réacteur à plasma. Commandant, j'ai terminé de réparer le réacteur à plasma, nos travaux de reconstruction peuvent reprendre. Ok. Lancer un new projet. Parler à Lunette, elle a des choses à dire. Let us be efficient. Soignons efficaces. Nous devons activer les protocoles de quarantaine avec ce spécimen scrofuleux. Depuis combien de temps connaissiez-vous le commandant Agravin? Quel est le statut de nos travaux de reconstruction? Tout pour le moment. I will not have the edict put at risk, even for an inquisitor. Elle a pénétré dans... Ok, sur mon vaisseau. Sur mon vaisseau, genre dans le plus grand des calmes. Je n'accepterai pas de mettre le sentencieux en péril, même pour une inquisitrice. Très bien. The ship will remain sterile. C'est pourquoi j'ai implémenté 7 couches de redondance. Ainsi que les protocoles de sécurité les plus élevés. Et même placé un filet binaneticuleux sur le système de cogitateur du sentencieux. Ce vaisseau restera stérile. The baleful edict has never let any of the brotherhoods that have traveled in her down. Ouais, that is the blanc. Way of the Inquisition. Ok, parlons d'autre chose. Ta-ta-ta. We have been the primary vessel for the commander. He was a leader in the Grey Knights, so he was revered. He did not suffer fools, or those that dared to countenance his authority. Defiance suggests an emotional need. Indeed, the ecclesiarchy's imperial interaction en fait, is over. Ça leur istique à fond, c'est pas inintéressant peut-être, mais là tout de suite maintenant, nous on s'en fout, on veut de la bagarre. Hop, il y a quelque chose à aller voir par ici. Parler avec qui? You have my attention, Knight. This one appears to be some kind of host. An object is nestled within. Un objet niché à l'intérieur. It is different from what I've seen with these puppets in the past. Il s'agit sans aucun doute de l'œuvre d'un des sbires du dieu de la peste, mais son vecteur est inhabituel. Je vous en dirai plus une fois que j'aurai terminé de l'étudier. Do I bore you? The Grey Knights will be needed in this task, and it is your duty to marshal them. I had previously been hunting heretics siphoning power directly from the Hadex anomaly. Divining the visions of astropaths is an art. Yes, you've bon. Taken enough of blabla. My time. Et donc toi tu tournes encore sur 12 jours de... Non. Attendez-vous sur ta recherche, pas de merde. Encore 24 jours. Oh, ouais. Beaucoup plus tard. Parler avec Tar. Wisdom, Commander. I am no ancient, but might be of some help. Ouais, she already makes blabla, demands quoi. On a ship badly, and even we must respect the authority of the Inquisition when the situation demands it. It is a term that has fallen out of fashion. Ça indique que chaque ordo de l'Inquisition a un bras militaire à disposition lorsque le besoin s'en fait sentir. En théorie, nous pouvons être appelés par l'ordo Maleus auquel elle appartient. It was a strategic decision. En nous laissant notamment le commandement tactique sur le terrain, vous voyez, les inquisiteurs ne sont pas les seuls à avoir manié les subtilités diplomatiques. Ok. Ok. Seems the Emperor has other plans for me. A matter between myself and the Emperor. I hope I can be blabla, blabla. Le dieu du sang, corne. On a le droit à sa phrase. Normalement, tout le monde la connaît par cœur. Ouais, les quartiers, non, on s'en fout. Let's go, la bagarre. C'est où la bagarre?
Let us ready ourselves for the trials to come. Ah bon, on avance le temps. On s'emmerde. D'accord, j'ai compris. Allez, on déroule. Jusqu'à avoir, je suppose, réparé la chambre d'augmentation. Ah, nouvelle activité de l'éclosion. Nos cœurs de prognosticars ont détecté la présence de trois nouvelles zones d'activité de l'éclosion dans ce secteur. Nous avons prévenu Titan. Nous devons user de tous les moyens à notre disposition pour stopper cette incursion. Commander, our prognosticars have detected this bloom in three separate systems. We should examine one of them. Alors, maintenant j'ai une vraie question. Est-ce que c'est comme dans XCOM 2, que je déteste pour ça, où tu n'as le temps d'en faire qu'une et point barre en fait, et rien d'autre. Pourquoi je peux éliminer deux points? I have identified this planet as a mission location to combat the bloom. Let us examine further. J'ai identifié cette planète comme lieu de mission pour combattre l'éclosion. Accordons-nous un examen approfondi. Lorsque le système est en surveillance, cliquez sur right-click gauche pour afficher les détails de la mission. D'accord. From here, you can see some details for this mission, including the resources that Titan's armory will make available to us if we are successful. En cas de succès. D'accord, donc on peut voir ce qu'on va nous donner, cadeau, récompense de mission, j'aurai 10 serviteurs. Et je dois juste éliminer tous les sbires. Let's go, hein, on y va. Hein. Ah, celle-ci, elle est en train de mourir toute seule. Chambre d'augmentation opérationnelle. C'est un nouveau projet. Statut du vaisseau. Encore du travail. Est-ce qu'on peut améliorer ça? Super. J'aurais peut-être pas dû faire ça. J'ai peut-être. Faudra 4 serviteurs pour distinguer en ligne. Oui, j'aurais peut-être dû faire ça. J'ai un regret. Je peux annuler? Je peux annuler mon regret? Ok, bah, je ne peux pas. Très bien. Très bien, très bien. On sait pas c'est quoi. Ok, on pourrait avoir des récompenses supplémentaires, mais non. Nous ne sommes que des merdes. Je peux gérer mes boys. Qu'est-ce qu'il a lui? Il a un psy-canon. Il reçoit une cible. Ok. Je peux le renvoyer sur Titan. Ok. Compétences machin. Équipé. En arme de corps à corps, du coup, il n'a rien. Genre on peut même pas lui mettre des fauchons. On a des fauchons plus plus. On a des fauchons méga plus plus là. Sûr tu veux pas passer? Est-ce que si je te les mets en fait? Ah t'es obligé de changer. Ok, soit t'es un tireur, soit t'es un close combat. Ouais, non mais d'accord, c'est bon, j'ai compris quoi. C'était un psy-canon que t'avais. T'avais lequel là? Et quoi? Alors ouais, c'est quoi les bonus? Dites-moi tout. Ça fait du 5 dégâts ça. Donc ça c'est 5 dégâts, c'est 2 de capacité de chargeur. Soit plus 1, soit plus 5%. Les 5% c'est cette arme à 5% de chance de coup critique. 4 dégâts, pas d'étourdissement, ça c'est la portée je suppose, 10 ou le... La portée, ok. Elle a un arc de 30 et une distance de 7 en vigilance. 37, ça ne change pas non plus. Cette arme a plus 1 de dégâts crit. Cette arme a plus 5% de chance de crit en fait. Oh. Grain de furie. Malveillance de Dari. Sois malveillant mon frère. Ça va mal se passer. Bouclier Storm. Indisponible pour cette classe. Quoi? Comment ça? Ah oui, je pouvais passer depuis le menu dans mes marines, je suppose. Yes. Équipé. Emplacement d'équipement. Donc la greux. Bon, on aurait pu lui mettre un cerveau crâne, ça fait quoi?
cibler un chevalier à une distance de 10 pour infliger soin 5. Ce chevalier récupère immédiatement 5 PV. Donc, cible du soin récupère 1. Non, je sais pas. Et accessoire, on a quoi sinon? Gagne 2 de volonté passive max. Alors, je sais pas si ça augmente les dégâts de mon arme. Puisque je sais que y a une histoire obscure de. Mais bon. Bah, on va rester sur la greu, hein. De toute façon, on n'a qu'un seul type de greu, ça marche. Par contre, je peux, pas, peux changer de bouclier de chevalier. Non, voilà. C'est toi le médic. Et toi le médic, t'as la grenade. Est-ce que mon médic, je lui rajouterai pas un cerveau-crâne, genre. Genre, plus de heal. J'ai envie de faire ça. Même si j'avoue, il court vite et lui filer une grenade pour aller exploser des gars, c'est quand même assez rigolo. Ouais, c'est tentant. C'est tentant, hein. Ah, mais t'as le celui de base, mais j'ai des trucs mieux. Et tu me proposes pas de lui mettre des trucs mieux? Putain. Équipe-moi mieux. Le libérateur. Voilà. Et même pour ces armes-là, là, on peut discuter pour ces armes-là? Ou on peut pas discuter, c'est forcément le truc de base. Alors, on va faire un tour sur tous les chevaliers, parce que j'ai l'impression qu'ils s'amusent à nous coller des trucs pourris de base. Alors qu'on a des bons trucs, genre toi, t'as une épée. Sûrement nulle. Alors que je suis sûr que si on va là, on a, voilà, on a des épées de la discussion. On prend et des épées qui ont de l'argumentation. Non. Toi, ok, t'as ton petit canon. Toi, t'as ton méga truc. Ah, il me faut un chevalier. Franchement, je jure, il faut un chevalier de plus, là. Parce que l'autre, bon, il a la grosse épée. J'ai envie de m'amuser, là. J'ai envie de passer aux fauchons. C'est rigolo, les fauchons. Arme de corps à corps. De toute façon, t'es intercepteur, t'es niveau 1. On s'en fout, à la limite. 4 dégâts, la lame. Et si on passe sur les fauchons? Ouais, tout fait 4 dégâts pareil. 10% chance de coup crit. Et c'est quoi les SP de l'épée? Ah oui, c'est la parade. Je sais pas, là, moi, c'est tentant, hein. Mais voilà, je suis tenté. Donc toi, t'es un purgator, un justiciaire, un apothicaire, un interceptor. Oh là là là, mais vraiment. Moi j'ai envie de le mettre au fauchon là. Allez vas-y, hein, je m'écoute moi-même, je le mets au fauchon. Oh là 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 là, bébé. Oh, il est trop classe. Oh, c'est Walidé, hein. Plus c'est celui qui se TP, je crois. Juste à Carnoum, des trucs. Les sceptres de la protection. Ouais, les magiciens, moins chez moi. Hein. Moins de ça. Bon voilà, c'est cool. J'ai ma squad. Alors du coup la question que je me pose, c'est est-ce que ce jeu ne fait pas comme les autres, il nous autorise, voilà, si j'ai plus un chevalier, à descendre avec 5 mecs. Tiens, ceci est un garde impérial. Plus la corruption de l'éclosion est élevée, plus l'activité enregistrée par la jauge warp augmente à chaque tour. Non mais ça va bien se passer, on va tout rush. On va tout rush. Même si j'avoue maintenant que j'y suis, j'ai un petit regret d'avoir enlevé sa grenade à mon médic. Parce qu'une bonne mission, c'est une mission que tu rush. There is no sign of strife on the comms. Look more carefully, Knight. The codes used are old. But they are a mark of an active plague cult. Of that, I have no doubt. If that is true, my brothers will make short work of them. Ah, donc là, on a juste envie de dire Space Marine en avant. Évidemment. Ok. Mais on a des signaux de où on doit aller là, ou on sait pas. Genre je sais pas, genre je me balade partout. Bon là il y a un train. Il y a un train infini. Ah non, il a quand même une fin le train.
Ouais, let's go. Yes. Ces deux fauchons, non mais il est trop bien. Hein. Mon Ninja Marines là, il est trop ok. On my way. Ah c'est bon. 20% d'un coup ? Et ça va ? Je te dérange peut-être. 20%, faut qu'on aille sur cette terrasse là. Let's go. Il y avait une porte. Je crois qu'il y avait une porte. Je suis pas sûr, mais je dirais qu'avant il y avait une porte. Visiblement, Papa Norgueul, il t'a piqué tes couilles, frère. Come at me now. Prepare to engage. Ok, ok, ok. Tu prépares à engager, très bien. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu veux bien lui expliquer que sa vigilance est inutile? Ah ouais, attends, on pourrait peut-être les faire passer par-dessus bord, moi, ça me va. Moi ça va, ouais, ouais confiant. Voilà. Succès déverrouillé au dépourvu. Ah tu peux pas le tirer dessus, il est trop loin. Il me reste plus que 1 sur 3 PC, c'est compliqué. Bon après tabasse-le hein, j'ai envie de te dire. Activation du tir, ça n'a aucun intérêt, autant le. Mais ça l'a pas étourdi, c'est ça le projet? Ok. Bon. Pareil, il me reste un point d'action. Ah non, je serais un peu con de faire ça. D'ailleurs, j'étais un peu con de me mettre aussi proche de ça. Non, non, pas d'attaque. Je tire dessus. Faut pas utiliser ses pouvoirs. C'est très important. Mais en fait, ça c'est une terreur, j'aurais pu me mettre là aussi. Un peu couillon de pas m'y mettre. As you will. Du coup, je me balade avec mon petit crâne. Trop bien. Oh oh. Très très mauvaise idée. Ça va mal se passer pour nous. J'ai des mecs qui sont. Quoi ? Ah, ils ont une bonne portée, hein. Et je viens de reprendre 20%. Ok, donc il me suffit de les révéler pour briser Ah si je me mets là, je serai dans la zone de d'où ça touche quoi. Ouais, descends du coup. Ça, je révèle l'autre source. Voilà. Et normalement, il n'y a plus de bonus d'éclosion. Peut-être en tuer un pour briser le bonus d'éclosion. Donc, il y a lui là qui me dit. Hein ? Quoi ici ? Ah, ok, c'est juste à faire sauter. Ah, oui.
feel the bite of my sword. Je me vénère. Justice. Car tu es mort. At once. Bon, je suis ok. On fera vite dégager un devant le vide. Et fin du pont, ils pourront pas me rejoindre. Pas joli les effets des flavors sur ceci. My armor remains a fortress. Attack! Kill them all! Strong, we shall stand. Charge! Try harder, whelp. Il y a un mec là qui se permet une petite surveillance. Moving now. Je te préviens, hein. Pas surveiller très longtemps, mec. Oui, j'ai une petite passion pour les grenades. Ça y est, c'est officiel. C'est officiel. Ouais. Ça m'avise beaucoup trop, désolé. Moi, je propose de t'arracher, en fait. Hein. Ça fait des chocs à pic. Est-ce que tu peux genre descendre tuer ce mec là? Est-ce que tu peux genre te TP pour économiser un truc? Parce que attends, si je me déplace jusque toi, je crame combien de points? 2 PA? Ouais, on s'en fout de ce TP. À moins que je vienne là. Et je suis en train de demander si ça c'est pas du carburant à faire sauter. On va d'abord te jouer toi du coup. Je peux pas cibler ces machins. D'accord. Donc finalement ça me va. On change quoi le psy bolt? Pas grand chose. On peut acheter visiblement des bolts. For Titan. Get up. Échec de la malédiction. On n'a pas réussi à me maudire. Le mec est overdeg. L'armure de l'ennemi et certains ennemis sont protégés par de l'armure dont chaque point peut absorber un dégât avant de perdre des points de vie. Ah ok, il a un, ok, il a un d'armure. Ouais, je connais la chanson, tout va bien. Est-ce qu'on peut le frapper en force? Non, faudra le frapper deux fois dans tous les cas. Let's go! On bouge. Et on le réouvre en deux. All enemies have been cleansed. Good work, Commander. J'ai un but qui a passé un grade. Mon type au fauchon, visiblement ça s'est bien passé pour lui. Les chevaliers gris peuvent récupérer plus, jusqu'à plus 1 de volonté. Je sais pas. Ouais. Ah, ça veut dire que là j'ai claqué de la volonté qui se recharge pas tout de suite. Oh. Ça c'est embêtant. En fait quand je vois mon équipe là je dis en fait il y a qu'un seul défaut c'est qu'ils aient des armes, ils aient pas juste des grenades. Donnez-moi que des grenades les gars, genre je peux remplacer chaque arme par des grenades, ça me va. On va devoir promouvoir des gens, le purgateur, promotion du purge. Du purge. C'est quoi ça? Non ça c'est pour le tir, on s'en fout du tir. Non non ça nous intéresse pas, non. C'est pas un tireur. Si? Si si, le purgateur t'es un tireur, excuse-moi. Bon, je sais même plus. Oui, purgateur, t'es un tireur. Oui, t'es le tireur de l'équipe même. Pas d'armure Terminator? Elle est cachée où ton armure Terminator? Non. Terminator. Ça, ça fait quoi? Attaque psychique à distance. Ouest pour le côté magie, on va éviter. Attaque psychique. Attaque psychique. L'arme, tout court. C'est bien ça. Ça, ça fait quoi? Les armes de tir de ce chevalier gagnent plus 1 de munitions. Les armes de ce chevalier gagnent plus 1 de munitions. Ok. Où que je choisisse.
Et ça, ça fera quoi? Assaut psychique plus 5 dégâts. J'aimerais bien qu'on évite le psy. J'aimerais bien qu'on aille sur un mec solide sur les appuis. Compétence auto. Ah, ça c'est bien ça, riposte lorsqu'il est touché par un ennemi, hein, ce chevalier. Ah, c'est bien ça, c'est bien, c'est bien ça. Ça on discute. Confirmé. Et niveau 3, il pourra faire mal. Ah, blessure légère. Moins 3 PV. Moins 3 PV max en 14 jours. Ah. Il va falloir soigner le monsieur. Donc toi, t'as déjà la TP. L'idée, c'est te dire, tu continues sur cette voie-là. Vous pouvez permuter ce chevalier avec un autre dans la limite de la portée de cette compétence. Je suis pas convaincu par un TP, hein. Par passer là où il y a des ponts craqués, pétés, etc. Télépartez-vous vers un endroit. Cette compétence, amélioration de la portée. Plus 5 de portée, gagne. Sur sa téléportation. Là, ça peut commencer à devenir rentable. C'est auto, tir de soutien. Lorsqu'un ennemi qui se trouve à portée de l'arme de ce chevalier est touché, ce dernier tire à son tour pour infliger plus de dégâts à la cible. Il ne peut pas être déclenché avec surveillance. Ah, ça devient intéressant. Ça devient intéressant, ça devient intéressant. Ou j'améliore le Psy Bolt derrière. J'ai envie de jouer ça, on va tester, on va voir ce que ça donne, ça a l'air d'être rigolo. Donc j'ai qu'un gars qui est réellement blessé au combat, ok ça marche. Exactement. Comme qui dit le jeu, le calme après la bataille. Est-ce que par hasard je serais pas sur un épisode déjà beaucoup trop long? Deux secondes, je check. Deux secondes, je check. Je en pause. Calmez-vous. Oh, une heure. J'ai envie de vous dire à plus dans le bus, bientôt dans le métro. Salut, ciao, à la prochaine.